Yo, bande d'Angers, ici le Matt. On se retrouve dans Gbedia Space Program. Aujourd'hui, deux missions. Je vous ai préparé deux fusées permettant de les accomplir. pour ça, alors, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite évolution. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué parce que c'est pas visible. Enfin, pas trop. J'ai amélioré le bâtiment pour plein de sous. Du coup, j'ai plus de sous. Je crois que c'était genre 225 000, un truc comme ça. Et je me suis dit, maintenant qu'on a... la possibilité de mettre 255 parties au lieu de 30. On va faire des grosses fusées. Alors, bon, elles sont pas très évoluées au niveau de l'optimisation, mais elles ont déjà l'avantage de pouvoir voler. Oh putain, les mecs, je m'en vais. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Donc, on a tout d'abord le Gbedia Orbital Launcher V1. Donc, franchement. C'est pas du gros travail de ouf. J'ai essayé de faire, d'après mes souvenirs, ce que je faisais comme type de fusée, et encore, ça m'a pas l'air génial. Bon, je vous montrerai comment elle marche. Ensuite, pour accomplir la mission, il fallait envoyer deux gogoles dans l'espace, nommés notamment Wormy et Gusly, enfin les deux noms à la con, quoi. Et je l'ai appelé le Buddies Expedition Launcher, et donc, c'est... Concrètement, c'est... comment dire, un Mentos dans un coca avec un petit réacteur pour dériver quoi. Donc voilà, je pense qu'on va commencer par ça, ce sera peut-être plus simple. Il y aura du montage parce que je vais pas forcément y arriver du premier coup. Donc ça devrait aller. J'ai mis des parachutes, j'ai mis un petit moteur, des découpleurs. On va juste faire en sorte qu'ils soient dedans. Hop, on les fout à l'intérieur et on peut se lancer. Bon, par acquis de conscience et pour éviter de faire trop de montage et pour savoir où je me suis arrêté, je vais faire une petite coupure dès que le chargement sera fini. Comme ça. Ok, comme ça. Du coup, troisième essai. J'ai bien fait de faire cette coupure. Il va falloir que je répète encore tôt. Donc pour vous, vous n'aurez rien vu. Mais moi, ça fait déjà la troisième fois que je recommence. Du coup, laissez-moi vous réexpliquer tout ça. Du coup, maintenant que j'ai bien tout en tête, même si j'ai dû oublier des choses à chaque fois, pour créer les deux fusées précédemment montrées plutôt, j'ai dû faire un peu de récolte de science, quelques missions pour gagner de l'argent, comme l'amélioration, donc c'est du farm que je vous ai pas montré, parce que j'estime qu'il est pas intéressant, et que on n'a pas besoin de le montrer directement. Voilà. Ça, c'est un point. De deux, je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté dans le science, donc normalement les petits barreaux là, qui permettent à la structure d'être beaucoup mieux attachée, ce qui est toujours sympa, il faut le dire, parce que du moment que vous n'arrivez pas à sortir de la planète correctement, vous perdez plein de carburant, donc ce qui n'est pas l'idée. Alors, les deux missions là, je les ferai peut-être en off parce qu'elles sont pas très intéressantes, ou alors soit je vous ferai peut-être des ellipses pour vous montrer, tac, voilà, 220 à 230 000, on y est, on active le bordel, et 410 à 420 000 de la même manière. Là, bon, on va se faire en orbite à l'arrache, je vais même pas mettre de manœuvre. L'autre fois, j'ai mis de manœuvre, mais là, hein, bon, qu'on se le dise, balèque. Du coup, on monte. Tac, ok, très bien. Non, alors par contre, tu fais pas ça parce que je vois plus la fusée, en fait. Non, tu fais pas ça. Bon, d'accord. J'ai pas l'impression d'avoir une quelconque autorité. Comment on fait pour se recentrer? Je ne sais pas, c'est pas là. Hop, voilà. Turbine un peu web 6 dans 2 minutes, très bien. J'ai pas l'impression d'être du tout sur le bon côté de la fusée. Si, c'est ça, pas du tout. Une minute, ça descend, si, ça a l'air d'être ça. 25 secondes, 10 secondes, bon. C'est Waldo, très bien. Voilà, je vais juste augmenter le truc, et en fait le problème, ce que je faisais mal depuis tout à l'heure, c'est que, pour une raison complètement conne, alors est-ce qu'ils sont bien suborbital? Ouais, ils sont contents. Donc je vous le rappelle encore une fois, donc on devait envoyer les bordels en suborbital, c'est-à-dire pas tout à fait en orbite. Voilà, je sais plus ce que j'ai pas dit, c'est horrible. Bon là je pense que ça suffit, tac, on va attendre un petit peu, voilà, et à partir de là on ralentit. On ralentit, j'ai dit, c'est par où? Ok, donc juste ralentir comme ça, ça devrait le faire. Donc là on est vers le haut, c'est-à-dire que... De toute façon elle peut pas remonter, hein, elle n'a pas la puissance nécessaire, elle va juste vraiment ralentir.
Ouais, par contre, si on peut pas accélérer, c'est un peu casse-couille, donc on va le faire descendre un petit peu. Altitude, 4... Combien? 400 000, arrête-toi, on va repartir un petit peu. Ralentis un petit peu ta vitesse. Ça va aller très bien. Et vers 10 000, j'enlève le truc de la fusée, parce que de toute façon, ça me fait que l'alourdir. Hop, on est heureux. On est très heureux, même. Faut que ça marche, et tout, hein, parce que j'en ai marre de recommencer, pour être honnête. C'est casse-couille, il faut le dire. Tac, on va rester droit, hein. Ça nous permet de flotter un petit peu, ce qui atténue plus la trajectoire que de se mettre vraiment dans le sens inverse de sa direction. Parce que sinon ça fait une trajectoire plus droite, comme une bouteille à la piscine, c'est pareil. Tac, bon, le risque d'accélérer, c'est que la vitesse soit pas complètement effacée. Donc, faut faire gaffe. Hop, j'ai dit jusqu'à 10 000, on va voir si c'est une bonne idée. Là, on va commencer à bien freiner en principe. Hop, on commence à voir les traits de fumée là qui. On voit bien la trajectoire, tu me diras. Faut pas que ça tende vers la droite, sinon on va pas perdre beaucoup de vitesse. Et là, bah là limite, en fait, je suis vachement bien. Je crois que j'ai bien fait. Alors, hop, bon, je crois qu'à partir de là. Oh non! Oh non, attends. Non, mais non! Mais ils ont pas été détruits! Putain, j'ai pas fait le staging! Oh non, mais non! Attends, remets ça là! Non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Non, mais non! Faut tout que je refasse, putain! Vous savez quoi? Je vais vous reprendre au même endroit, parce que j'en ai marre de refaire tout. Je vous reprends au même endroit et j'active les parachutes cette fois, d'accord? Regardez, oula! Qu'est-ce que c'est? A tout à l'heure! Donc on se retrouve, alors, bon, j'ai complètement amorti, cette fois j'ai tellement eu peur de pas atterrir que là, on va même limite remonter, je crois. Je crois que c'est pas possible, mais on est pas loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les moteurs, on va se détacher, et avec la vitesse qu'on a, on craint rien. Donc on va attendre juste de passer en dessous des 10 000, on peut même activer parachute, voilà. Et là, en principe, si le jeu fait pas sa pute, on est bon. Et franchement, j'en aurais chié, hein, je vous le dis. J'ai mal fait mes calculs au début les premières fois, parce que j'avais pas pris en compte que le bordel était plus long. J'ai mal fait mon staging sur la deuxième fois, donc c'est parti en couille. Et la troisième fois... Non, la troisième fois, j'ai mal fait mon staging. La deuxième fois, je suis arrivé beaucoup trop fort. Donc, en gros, c'est une tentative nulle, une tentative d'échec et une tentative mal organisée. Et une tentative réussie. C'est ça qui est important. Je sais que les derniers épisodes étaient longs, donc aujourd'hui peut-être qu'ils durent un peu moins de temps. Même si vous voyez que... Ils sont contents. même si le voyage qu'on va faire tout à l'heure en orbite va nous prendre pas mal de temps quand même. Il est content. Un peu, il dit quoi, Jibidia. Il est content aussi. Voilà. J'espère que au moins le... Ouais, safely. Ok, il faut juste que je les ramène sur la Terre, je pense. Enfin, sur la Terre en tant que planète. En tant que carbal, surtout. En tant que carbine. Enfin bref, vous m'avez compris. Ok. Amérissage. C'est bon. J'ai l'impression que c'est pas bon. Ils sont contents, là. Ouais, ils ont l'air contents. C'est parti. En vérité... Est-ce que c'est un échec total? Est-ce qu'il faut tout refaire? Et là, je pète un câble et je change de mission. Ouais. Ok. Ok. Merde, je me suis trompé. Je stresse un peu là. C'était pas censé être marqué que j'ai. Bah, regardez. Oh! Je crois que c'est bon! Nickel, je suis heureux. Waouh. Ok, on va prendre des nouvelles missions et on va s'attaquer au vol... comment il s'appelle ce con? Vol orbital, pardon. Secours. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a rapport avec l'orbite? Le air, le poudre, liquid fuel engine... Escape trajectory. Alors, oh oui, escape trajectory, oui, on fera ça plus tard. Donc simplement, c'est sortir la trajectoire de la Terre. Donc en gros, se rallier au système solaire, ce qu'on va pas faire tout de suite. Suborbital Space Flight on Kermin, donc ça non, enfin on fera plus tard. Je sais pas si je le ferai, je vous le ferai peut-être en accéléré.
si on l'a déjà fait ou en live, je sais pas. Flying carbine, donc ça on le fera, c'est pas compliqué, mais je peux pas le faire sur cette mission, c'est trop compliqué. Ça aussi, ça, je sais pas. Y'a pas un qui veut faire un vol orbital au pire? Oh oui, non, mais même l'orbital en fait, c'est même pas. C'est même pas. Non, c'est même pas l'idée. Ok. D'accord, d'accord. Ça va être complexe. Je pense pas qu'on puisse franchement faire des nouveaux trucs pour l'instant. Et là, on s'attaque à une grosse mission. Donc, on va y aller. On va y aller. Alors. Laissez-moi vous montrer la bête. La bête ici présente. Donc 109 parties. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, elle est pas très optimisée. Elle est optimisable du coup. Mais elle permet de faire un vol assez sans encombre, disons. Mais disons que j'espère que je vais réussir du premier coup. J'utilise la méthode du Sparagus d'après mes souvenirs. Donc vous verrez comment ça marche. Donc c'est pas tout à fait optimal. Je pensais que c'est pas tout à fait optimal, c'est que bon voilà. Et même j'ai même pas fini le staging. Je l'ai testé une fois. Hein. J'ai fait le vol en entier. Oui, je me suis spoilé un petit peu, mais c'est pas grave. Alors attendez. Ça, ça permet de balancer ça. Et ça. Non, ça c'est du. Ça c'est du réservoir. Donc il faut le mettre comme ça. Tac. Ok, save. Hop, donc ça, voilà, ça nous permettra. Donc, alors je vous explique simplement, bon, le faire en vol, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et je pense que, bon, alors si ce n'est s'échapper de l'atmosphère, le reste devrait être simple. Parce que c'est vrai que s'échapper, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, comme tout à l'heure, et j'avais bien fait, je vais faire une petite coupure à ce moment-là. Voilà, ce qui me permettra de ne pas faire de la merde en réessayant. Du coup. Je pense qu'on est prêt. Alors, on fixe le SAS pour pas bouger de position. La fusée s'est bien stabilisée. Et c'est parti. Alors, vous voyez qu'elle est très lourde. Très lourde. Très lourde. Et du coup, le départ se fait petit à petit. Il faut virer du poids. Ça se joue tout sur le poids, ça. C'est simple. Donc au début, j'ai mis des petits. Les petits sont vides, je balance. Ensuite, il y a les moyens. Pendant que les gros sont en train de marcher, hein. Donc ça fait un espèce de levier, quoi. Et ce qui fait que même avec une grosse fusée, on atteint une vitesse pas trop mal. Voilà, les d'autres sont petits, on les enlève. Ils sont petits, ils sont vides plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les grands vont bientôt partir. Et là, j'ai fait de la merde. Le max, voilà. Je me suis trompé de bouton. Et donc avec ça, avec cette méthode, vous voyez. Ah, vous voyez pas la méthode encore, mais avec cette méthode on va pouvoir atteindre l'atmosphère sans problème. Donc l'idée c'est de regarder dans les tonneaux du bas, on va appeler ça des tonneaux, hein, vous inquiétez pas, les réservoirs. Dans les réservoirs du bas, combien il reste de fuel. Parce que c'est les seuls à se vider, pourtant ça alimente les fusées qui sont là. Donc c'est assez bien foutu hein, comme idée, c'est tout simple, mais c'est génial. Hop, on les enlève, du coup, qu'est-ce qui se passe? On perd du poids et on gagne de la vitesse. C'est tout bon. Là c'est pareil, on attend. Donc ça demande un peu plus de. Comment dire, faut gérer le truc quoi, parce que sinon ça part en couille. Et donc vous voyez qu'ici le carburant du coup fait, enfin vu qu'on a enlevé le réservoir vide, fait se retrouve comme s'il était plein, ce qui est vachement cool. Voilà, donc là on va enlever la deuxième partie, tac, et à chaque fois on gagne un peu de vitesse, c'est ça qui est cool. Du coup, même si c'est assez lent pour le moment, bon ça va, j'ai le temps de faire une observation. Alors il va falloir être rapide. Soy, ok. On est à combien là? L'idée ce serait de choper quelque chose comme 100 à peu près, 100 000. Hop, voilà, c'est toujours pas vide. 100 000 ce serait pas mal, franchement, ça nous ferait quelque chose de pas trop mal. Ok, tac. Donc là on est à combien? Ok, on s'arrête. Déjà 116 000, j'ai même pas regardé. Très bien, manœuvre. Alors là, c'est pas compliqué pour faire une manœuvre d'orbite. On tire ce qui correspond à notre début de. Comment dire. De trajectoire jusqu'à ce qu'on ait à peu près un périgée qui tombe au-dessus de 70-80 000. Donc périgée, hein, c'est l'endroit le plus proche du coup. Voilà, et donc, bon, 70 000 c'est encore un peu chaud. Vous voyez que la puissance que ça demande, bon après c'est pas comparable, mais.
Bon, alors si je le place un peu avant, on devrait faire un peu d'économie. Alors, non, pas tant que ça. De toute façon, il me reste 1 minute pour ajuster mon tir, si je puis me permettre. Hop, donc toujours pas, c'est pas optimal encore. Je sais pas s'il faut que je mette un... Non, ouais. Non, je paie 100 000, AP 160 000. Ah bah là, on est pas mal, du coup on réduit ça pour garder encore un peu de carburant, hein. Il faudra essayer le carburant pour se stopper. Donc là, on est à 150 000 jusqu'à 99 000. C'est pas trop mal. Burn dans 1 minute. On va se placer avec le petit le gyroscope. Ok. Donc la méthode Asparagus, hein, qui permet de virer ses réservoirs en allégeant le poids de la fusée et en gagnant de la vitesse. Sans trop de contraintes. Hop, il nous reste encore un petit peu de temps. Hop, 30 secondes. 10 secondes. C'est parti. On se début. Pardon. On se prépare, je voulais dire. 3 secondes. Allez, je balance. Je mets toujours avant. Alors, ah oui, par contre, j'avais pas pris en compte le fait que. Oh putain. J'avais pas pris en compte le fait. Alors, on va faire une trajectoire. Que comme la fusée comporte encore beaucoup de morceaux, ben ça privilégie pas une bonne trajectoire dans l'espace. C'est même très dangereux en fait. Voilà, là on va mieux s'en sortir en principe, même si c'est pas encore ça. Ok, reste dessus. Je gère au clavier hein, manuellement pour rester. Aïe 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 aïe, il s'en va. Pour rester. Il s'en va, attendez. Je peux pas me permettre de partir aussi loin. Sinon, on va faire une orbite vraiment dégueulasse. Et là. Voilà, là on peut gérer. Tout est bien. Alors, est-ce qu'on est déjà en orbite? Non, pas encore. Vous voyez que ça va super vite avec très peu de puissance. Là, on a le petit. Comment ça s'appelle? Le petit truc, hein, je sais même plus comment on s'appelle ça. On va monter jusqu'à. Waouh. Elle est pas du tout régulière notre trajectoire, hein, mais c'est pas grave. C'est même pas grave du tout, même. On va faire quasiment un tour, peut-être deux, histoire de rigoler un petit peu. Et voilà. On est en orbite. C'est gagné. C'est plutôt pas mal du coup. Vous voyez qu'on a quand même une apoapsis à 400 000. Donc quand on est en orbite, c'est vraiment facile de. On pourrait même s'échapper et aller sur la Lune, limite, là, tellement c'est facile avec la puissance qu'on a. Est-ce qu'on est dans l'axe en plus? Non, on n'est pas dans le même axe. Par contre, on est plus dans l'axe de Minimus. Ouais, non, mais même pas. Donc, on va faire des petits tours rigolos, hein. Premier satellite, on peut dire ça comme ça. Transfert crew, non on fait pas ça, il n'y a pas d'autres crew donc. Peut-être un crew report. Non il dit pas. Ah 400 000, qu'est-ce qui se passe? Tac, on va se balader un petit peu. Donc ça c'est sympa maintenant qu'on est en orbite, ça fait moins de soucis à penser. Alors, tac tac tac, crew report, bah voilà, space over, on va le prendre. Je pense que c'est pas mal, attendez, je fais juste une petite coupure. Oh, bande de Roger. Bon, si on avait du bordel derrière, c'est normal, c'est la famille. Du coup, on se retrouvait très haut dans le ciel, je faisais des petits trucs scientifiques, même si j'ai pas beaucoup de choses me permettant d'en faire. J'ai fait quand même un petit coup report. On peut faire une IVA. Alors, je sais pas si je peux. Je peux pas sortir de. Oh, frac. Attendez. Je peux pas se barrer. Can I disembark well off the Kerbin surface? Ok. D'accord, donc il faudra qu'on améliore le complexe d'astronautes pour faire des sorties extra cabinaires. On sait pas. Du coup, maintenant qu'on a fait bien du bordel en hauteur, bon bah voilà, crook truc, machin. On va faire un tour de chauffe, histoire d'être bien assuré qu'on a fait un tour sur carbine. Parce que des fois, on sait jamais, hein, histoire de. Et donc, la prochaine fois qu'on atteint à peu près bah, le périgée, à peu près par ici, si, ça m'a l'air bien. Tac.
Donc on arrivera à peu près. Donc faudra qu'on suive à peu près le périgée du. Enfin le... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui ne. Comment on dit, bordel de merde, je suis devenu complètement. Merde. Donc le truc qui nous permet de ralentir quoi. Bon là j'ai pas mis de direction. Mais je crois que c'est ça. Ouais voilà. Tac 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 tac. Ok. Ok d'ailleurs. On va le poser là. Et je crois qu'on sera bon. Ok, on accélère un petit peu, il nous reste 2 minutes encore. Et on va entamer notre descente. Non aux enfers, j'espère. Mais bon. Ça, on peut pas prévoir. Tac. Tiens, en parlant de ça, on peut parler d'un sujet actuel. Apparemment, je dis bien apparemment parce que j'ai pas de source et j'ai vérifié après cette vidéo. J'ai entendu dire qu'on aurait découvert une 9e planète sur le système solaire. Ouais. Bah alors, du coup, j'ai exposé quelques thèses vu que j'ai aucune idée là-dessus. Soit c'est la honte pour la NASA parce qu'ils ont réussi à aller voir des trucs à des années-lumière et on connaît l'astronomie des planètes. Enfin, c'est une honte pour l'humanité du coup. Depuis il y a très longtemps. Donc c'est la première possibilité. Soit c'est une rumeur et puis balèque. Soit c'est une planète qui vient tous les 100 ans, les 1000 ans, j'en sais rien, et qui passe comme ça. Ce qui pourrait expliquer les dérèglements de certaines trajectoires de planètes, quoi, tout simplement. Donc ça a son grain d'intérêt, mais j'irai vérifier ça. Donc si vous avez eu des informations, si vous n'en avez pas eu, bah débattez. Hein. C'est un sujet intéressant vu qu'on fait un peu d'astronomie. Un petit peu, pas beaucoup heureusement. Alors, on va s'assurer de faire une courbe bien douce parce que. Il nous reste combien de carburant? Parce qu'il faut. Ça devrait aller. On va établir à peu près le même point de chute que. Putain, j'ai mis qu'un parachute. Oh, je suis débile moi. Ok. Alors, on va essayer d'établir à peu près le même point de chute que la dernière fois. Donc, on va ralentir jusqu'à 1000 à peu près. On a quelle hauteur là? 80. Ouais, ah, c'est chaud hein. Ok, on va y aller comme ça. Je fais un quick saving, je sais pas si ça marche. Je n'ai jamais trop capté comment ça fonctionnait ce bordel. On va y aller tranquille. Et donc là, on va activer le moteur petit à petit pour ralentir. Donc là, on va se baser. Ouais, bon, on va foutre un truc comme ça pour ralentir bien doucement quoi. Il faut pas que ça me pompe trop d'énergie. C'est histoire de quoi. Tac. Ça me permet d'amortir. Alors on est à 1000, à 40 000. Ça me paraît putain de what the fuck quand même. Là on va atterrir, on va arriver dans la. Quoique. Non, ça me paraît bien. Je pense qu'on est pas mal. Hop, on réduit bien notre. Alors atterrir de nuit c'est jamais trop cool. Je vous avouerai. Mais là on a une bonne vitesse, on peut même partir sur l'idée... Alors attendez, j'ai pas mis de découpleur, oh putain. Ok, on se calme, de toute façon on peut pas redécoller avec ce type de fusée. En principe on va se mettre en vitesse 1, et on n'a plus de carburant. Et je crois que je viens de faire la pire erreur de ma vie, à savoir qu'on n'a plus... Oh putain. On peut pas débrancher ça, on gagne de la vitesse. Non, c'est bon, ralenti, 170, ça devrait passer. On prie, on prie, on prie. On couvre les gueulades aussi de la maison. On prie un petit peu, on prie beaucoup. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que tout va péter? Et je crois que c'est un succès. Ouh putain. GBDIA, vos impressions? Vous avez l'air heureux. D'accord, ok, bah c'est génial. Bah, ça, c'est très bien, hein. Non. Heureusement que, bon, heureusement que j'avais dit de pas gueuler. Mais c'est pas grave, du coup, tout va très bien. Ok. C'est l'atterrissage le plus what the fuck que j'ai jamais fait. Qui plus est en pleine nuit. Nickel. Ça, c'est une mission, mesdames, messieurs. Hop, on rentre à la maison. Et là, normalement, c'est blindax, non? Combien d'argent on a gagné avec ces conneries? Putain, ils vont arrêter de gueuler, oui. Pardon. Alors... Alors, 142 000, on s'est bien refait, mais on sait pas encore ça. Plus 17 de science. Voilà. Donc, on a eu le truc
en orbite plus très loin. Donc c'est toujours mieux. Alors il y a des débris apparemment. Faudrait qu'on va aller dans le Space Center pour voir où sont tous les débris. Tac 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 tac. Enfin. Ah! Du coup on a des nouveaux machins. Ok, d'accord. Donc là faudra qu'on aille faire des IVA. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup je vais regarder à peu près le temps de vidéo et vous dire qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, etc. Donc on va juste se warp jusqu'au next morning pour y voir un peu mieux. Ça c'est plutôt sympa. Waouh! Ah mais ils sont dans l'espace, des trucs qui sont en orbite. Non? Recover. Ça nous fait un peu de sous, hein. Vous voyez que bon, ça coûte 100. C'est déjà ça. Du coup, il y a des trucs en orbite. Non, on dirait que c'est bon. Bon. Moi, je suis plutôt heureux de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais checker ça. Voilà, donc on arrive à plus de 25 minutes de vidéo. On va organiser la suite du mouvement, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que tout ce qui est un peu, par exemple, voilà, suborbital space flight, par exemple, ça, on l'a déjà fait. Donc ça sert à rien que je vous le remontre. Par contre, je pense qu'on va les faire peut-être en live. Enfin, je sais pas. Je m'organise des trucs à faire en live pour voir ce que ça donne. Et puis je mettrai les épisodes bonus en live à peu près. Voilà. Alors ça c'est bon, ça va parce qu'au final, donc ça, je pense qu'on va s'intéresser à l'avion parce que c'est en dessous de 1800 mètres. Et ça m'a pas l'air trop compliqué. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Ensuite, on a ça. Bon, c'est pas d'un très grand intérêt. Donc faire activer un. Comment ça s'appelle une, vous savez, un gros réacteur entre 17 et 22 000 mètres. Donc ça, je le ferai en solo. C'est juste pour gagner des sous. Ça. Ah, par contre, ça. Attendez, c'est quoi déjà ça, le Air Skipper? Tac tac tac. Ah non, celui-là il est pas. Ouais non, il est pas terrible. Ça donc c'est pareil que l'autre. Ouais, c'est la même idée. Donc je vais peut-être faire le bus magique. Un live bus magique où je vais emporter plein de personnes. Je vois pas en quoi ça me. Je vois pas en quoi ça me. Enfin bref. J'emmènerai plein de personnes, ce sera le bus. Et ça, peut-être, ça peut être sympa, quoi, de tester. Alors, on n'en verra pas un. Alors, peut-être Valentina qui tournera autour du soleil. Ou peut-être un ingénieur, enfin, je sais pas, une connerie qui va voler autour du soleil, quoi. Limite, ouais, mais avant de faire ça, peut-être que ce serait sympa de. Quoique. Bah, si on arrive à partir, on arrive à revenir. Donc, peut-être que. Alors, possibilité du prochain épisode, soit on s'intéresse à échapper à l'attraction de la Terre. Et partir sur les rotations du Soleil. Et de revenir, pourquoi pas, ce serait bien de revenir, parce que sinon, si on perd un astronaute comme ça, c'est un peu triste. Et ensuite, donc, prendre en compte le fait que je vais peut-être faire voler des gens dans un bus magique pour accomplir ces missions qui peuvent être assez sympas si elles sont bien réussies. Surtout qu'elles ne sont pas très compliquées au final. Ensuite, on a l'idée, donc ça je le ferai tout seul. Ça m'a l'air pas compliqué, donc je le ferai tout seul. Et puis ça, il faut s'intéresser à l'aviation parce que c'est des trucs où il faut se poser, quoi que ce soit. Ensuite, mes anciennes missions, je vais les faire dans mon coin parce que c'est pas super intéressant. Ou en live, ça j'aurai peut-être en live aussi. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée des prochains trucs. Alors, juste on va regarder combien il nous manque pour l'aviation. Donc l'aviation ça demande 45 et avec ça, avec cette base, je crois que j'ai quasiment tout en fait. Je peux déjà faire des avions assez stables et assez sympas pour la prochaine fois. Donc je les préparerai pas, on les fera en même temps que vous et moi. Et ce sera sympa. Déjà si on arrive à avoir tous ces trucs là. Bon alors ça coûte un peu cher pour 45, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quand même une bonne Tumbling out of control might be fun. Perdre le contrôle peut être sympa, mais bon, c'est mieux quand même si tu contrôles. Donc ça peut être pas mal aussi. Ok, bon bah vous avez à peu près une idée. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura bien plu. Moi je me suis bien éclaté en tout cas à préparer les fusées et tout. Vous voyez, c'est ça que j'ai acheté l'autre fois. Hein. Donc ça coûtait 90, c'était assez cher.
Et du coup, et ça, voilà. Donc il y avait ça et ça que j'ai fait en off ou en vidéo, je sais plus trop. Vous voyez qu'après l'arbre il est assez grand quand même. Hein. Du coup, au niveau des sciences archives, vu qu'on a c'est un épisode un peu plus court, je peux vous montrer un peu. On a tous les crew reports à peu près où c'était, dans l'eau, sur les biomes et tout. Donc on fera l'exploration des biomes peut-être plus tard. Et vous voyez ici aussi tous les satellites, les planètes et tout. Voilà. Bon. Bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était le mat. Et à plus.